Plutôt que le gang des barbares, un trio de désœuvrés. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense se sont attachés tout au long de la journée à minimiser les faits et la gravité juridique des violences faites aux victimes. Pour eux, une brûlure de cigarette n'est pas un acte de barbarie. Les accusés sont des imbéciles et la peur démesurée des victimes les a incités à continuer leurs méfaits. Vous savez, cette affaire, quand on la regarde de près et qu'on rejette l'exagération que la justice a essayé jusqu'à présent de lui apporter, elle avait d'ailleurs malheureusement réussi, ces faits dépassent à peine la nature correctionnelle. 10 ans, c'est le maximum de la peine correctionnelle, donc pour cela que nous l'avons suggéré. Pour les avocats de la partie civile, les accusés ont été qualifiés de barbares et ils le restent. Mais à l'issue des débats, ils attendent le verdict avec une certaine sérénité, à l'image d'un procès qui s'est déroulé dans le calme, loin des violences vécues en première instance à Annecy. Je crois que c'est souvent un point d'équilibre et j'espère qu'il sera trouvé dans l'écoute nécessaire et la compréhension des victimes, parce que sinon, ils ne pourraient pas comprendre et ce serait sans doute une révolte par rapport à ce qu'ils ont subi. Et puis dans la part d'espoir qui est nécessaire pour tout parcours d'être humain, même si celui-ci a été particulièrement chaotique jusqu'à présent. Les accusés ont tous demandé pardon aux victimes et à leurs familles et ont exprimé des regrets. L'avocat général avait requis hier des peines de réclusion de 16 et 18 ans. La cour et les jurés sont encore en train de délibérer. On espère le verdict dans la soirée.